Vous savez, j'ai moi-même inventé une technique qui fait sa marque durant la Renaissance, le sfumato. Ce terme vient du mot fumo, qui signifie fumer. J'ai utilisé cette technique pour peindre la Joconde. Mais attention, ce ne sont pas tous les peintres de la Renaissance qui utilisent cette technique. Toutefois, il est vrai que nous avons utilisé la perspective et le point de fuite pour donner de la profondeur à nos œuvres comme je l'ai représenté dans la toile de la Seine. De plus, les termes profanes prennent de plus en plus de place dans nos œuvres. Toutefois, l'Église continue de nous faire certaines demandes pour représenter des thèmes religieux. Fins observateurs vous êtes si vous remarquez que la toile de Botticelli comporte des couleurs plus vives que ma chère Joconde.